Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo 100% action. Que va-t-on faire aujourd'hui? Je me suis demandé. Une carte, j'en ai déjà fait beaucoup. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et j'ai été inspirée par un courrier que j'ai reçu de Karine P. Karine P, si vous n'avez pas vu ma vidéo des derniers courriers que j'ai reçus, m'a envoyé cette pochette, cet happy mail, je ne sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle, mais j'ai trouvé ça super. Alors vous l'avez peut-être déjà vu, moi j'en ai vu plein de formats différents, mais celui-ci je ne l'ai encore jamais fait. Comment est-ce qu'il se présente? Vous avez comme ceci, donc c'est un format 1/4 de 30-30. Vous ouvrez, vous avez une enveloppe où par exemple vous pourriez mettre une belle carte en format carré. Ensuite, elle a fait ici, alors je ne sais pas si je le ferai, mais on peut y glisser également quelque chose. Elle m'avait mis quelques découpes. Ensuite, ça se déplie comme ceci. J'ai même laissé, elle avait mis des post-it. Et puis, vous avez ici un petit coin où vous pouvez également glisser des choses dans cette zone-là. Donc, je trouvais ça assez sympa. Moi, je vais faire ça un petit peu différemment. Je vous explique. Le format, je vais garder le même. Elle, ce qu'elle a choisi, et c'est une possibilité, c'est de faire avec un papier très coloré, déjà très décoré. Moi, ce que je vais faire, puisque j'ai quand même envie d'utiliser beaucoup de produits Action, je vais utiliser, vous le voyez derrière, un de mes blocs préférés, si jamais vous me suivez, vous le savez déjà. Je vais prendre une feuille de ce bloc-là. Comme ça, je vais plutôt être dans un ton neutre. Ça sera peut-être un petit peu brique, un petit peu bois, un petit peu marbré. Mais en tout cas, je pourrais encore mettre des choses par-dessus pour décorer avec des décorations donc de chez Action. Je ne sais pas encore lesquelles. Hein. Je ne l'ai pas encore fait. Ça sera surprise. Peut-être que vous aurez vu des indices sur la miniature de ma vidéo. Donc regardez, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme Karine, et je le trouve vraiment très 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 joli. Vous prenez un papier déjà très décoré. Et alors, rien n'empêche que vous mettiez quelques petites choses en plus. Elle a décidé, par exemple, de mettre du washi tape. Mais voilà, en tout cas, remettre des die cuts, remettre des découpes, ça va être plus difficile. Ou bien vous décidez de prendre un papier un peu plus uni que vous allez utiliser pour pouvoir après redécorer par-dessus. Ça, c'est le choix que j'ai fait. Donc, ce bloc-là, vous le connaissez sûrement. Alors, il est déjà bien entamé parce que j'ai déjà fait beaucoup de créations avec. Alors, j'ai décidé de prendre quelle feuille? Je vais vous montrer et j'ai déjà commencé un petit peu à découper. Alors, il y a des personnes qui font des tutos où ils font vraiment étape par étape avec vous. Mais c'est un choix, moi en tout cas personnellement, de déjà avancer hors caméra pour que la vidéo soit moins longue. Alors, j'ai pris cette feuille-là. Donc déjà, je vous montre l'effet bois. Alors, il n'y a pas beaucoup de luminosité dans ma scrap room et c'est difficile de filmer par-dessus dans ma chambre. Donc, j'ai mis une petite lumière, j'espère que vous verrez bien. Donc, voilà. Effet bois des deux côtés, je trouve ça pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, il faut plier en 4 la feuille 30-30. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, plusieurs techniques. Je vais quand même la prendre pour vous montrer. Mais je ne l'ai pas utilisée. C'est ma planche comme ça, rainurée. Pour faire ce type de projet, c'est vrai que c'est très très pratique. Mais on avait dit une vidéo 100% action, donc je ne l'ai pas utilisée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une latte. Alors une latte de chez Action, ça vous avez. Moi, elle n'est pas de chez Action, mais pourtant j'en avais une pas très très loin de chez Action. Donc moi j'ai une latte ici comme ça, transparente. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez en fait du 30,5. Vous divisez le 30,5 en deux. On arrive à du 15,25. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petites marques. On les voit même encore un petit peu là. J'ai fait des petites marques à 15,25. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma latte. Alors j'en ai fait plusieurs de marques pour être sûre d'être droite. Je prends ma latte. Et puis vous pouvez tout à fait prendre un bout d'une autre latte. Ou bien moi j'ai pris ici comme ça un petit plioir. Vous en avez d'autres hein, de plein de marques différentes. Si jamais vous voulez vraiment rester dans du action, rien n'empêche de prendre une deuxième latte pour pousser. Alors il ne faut pas pousser trop fort et il ne faut pas non plus ne pas pousser. Donc je vous explique, il faut quand même que la marque se fasse bien dans le papier. Maintenant, si vous n'avez pas envie de faire de marque, qu'est-ce que vous faites? Vous pliez en deux, vous essayez de bien coller les deux bouts et puis vous poussez avec votre doigt, c'est aussi une solution. Donc en tout cas, vous faites plier dans un sens, plier dans l'autre sens. Déjà ça c'est la première étape. Deuxième étape, et vous voyez que je l'ai déjà fait, ici dans le bas, qu'est-ce que je fais? Je coupe en fait sur toute cette partie-là jusqu'à l'intersection des deux pliages, on va appeler ça.
Donc, première étape, je plie des deux côtés. D'accord? Donc, une fois comme ceci, une fois comme cela. Ensuite, je coupe jusqu'à l'intersection. Et dernière étape jusqu'à présent, je plie ici en deux ce côté-là. Je vais vous remontrer la création de Karine. Donc, regardez, on a bien ce qu'elle a fait. Donc, voilà, on a coupé ici. Là, bien sûr, on va devoir coller, mais je vais vous montrer. Et puis, elle a également ici plié en deux. D'accord? Alors, une petite chose que je voulais vous montrer avant d'aller plus loin, c'est que si jamais je laisse ça comme ça, regardez, et que je plie, en fait, il y a une petite résistance. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est juste enlever un petit millimètre, d'accord, ou peut-être deux, ici, sur ce côté-là. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ici ma latte. Alors, moi, j'ai un côté ici métal. Hein, donc, si je veux utiliser mon cutter, en fait, je vais plutôt utiliser ce côté-là. Sinon, de toute façon, il y a des règles en métal chez Action. Je vais la mettre ici. D'accord? Je vais prendre mon cutter et je vais couper un petit millimètre. Ce petit millimètre me permettra de mieux fermer ma création. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire aussi hors caméra et puis je reviens. Je vais également couper ici un triangle. Ce triangle-là, je vais le couper pour permettre de mettre facilement une création ou des petits cadeaux à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Je ne vais pas jeter ce triangle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, à plusieurs reprises, elle utilise en fait les restes de papier pour faire des petites encoches et permettre de ranger des choses. Donc, qu'est-ce que je vais faire hors caméra? Couper le petit millimètre qui est en trop pour bien fermer ma création. Et je vais également couper ici le triangle. Et puis, je reviendrai près de vous pour vous montrer où je colle. Qu'est-ce que j'ai fait sans vous? Eh bien, ce que je vous avais promis. Donc, j'ai coupé mon petit millimètre ici. Alors, mon petit millimètre, j'ai gardé un petit bout pour vous montrer. Regardez, j'ai vraiment pas enlevé beaucoup. Mais ça fait toute la différence. Hein. Quand je le plie maintenant, ça se plie vraiment facilement. Voilà, il n'y a pas de résistance. Donc, c'est vraiment pratique d'enlever ce petit millimètre. Et ça fermera encore mieux quand ça sera collé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai créé cette ouverture. Alors, comment j'ai créé cette ouverture? J'ai calculé la moitié ici de distance. Alors, la moitié de distance, donc on avait du 15-25, ça faisait plus ou moins du 7,6. Maintenant, je vais vous dire franchement, à quelques millimètres près, en fait, moi, j'ai pris cette intersection-là. Sinon, je trouvais que ça allait faire bizarre. Donc, c'est à vous de choisir. C'est pas à quelques millimètres que ça se joue. Et puis, j'ai également calculé la moitié de ce côté-là et la moitié de ce côté-là. Maintenant, si vous avez envie que l'ouverture de l'enveloppe soit moins grande, n'hésitez pas. Le seul inconvénient que ça va avoir, c'est que grâce à cette grande ouverture, d'abord, on a facilement accès à ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi, on récupère quand même une grande zone de papier. Pourquoi on récupère cette grande zone de papier? Alors, je vais vous montrer. D'abord, voilà les petits papiers que j'ai utilisés. Et la création de Karine est ici. C'est bien pratique d'avoir un exemple. Donc, je vous rappelle, j'avais besoin de garder du papier pour coller ici. Un petit, si je veux suivre son modèle, ici. Et un autre à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un grand triangle. Voilà. Je l'ai coupé en deux. Donc, le grand triangle ici. D'abord, je l'avais donc sous forme de papier. Et puis, je l'ai coupé en deux. En deux, ça veut dire que j'ai déjà un grand triangle comme ceci. Donc déjà, j'ai un morceau qui va me permettre d'être collé et de stocker des petits cadeaux sur ma création. Ensuite, j'avais deux fois cette taille-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le deuxième et je l'ai coupé ici au milieu. Et grâce à ça, j'en ai deux plus petits. Donc voilà, j'ai besoin de ces trois triangles-là pour pouvoir les coller sur ma création afin que je puisse y glisser des petites surprises. Comment je vais coller ça? Alors, on a dit du 100% action. C'est pas toujours facile de faire du 100% action parce que j'ai envie d'utiliser d'autres choses. Dans ce cas-ci, si je n'étais pas dans une vidéo 100% action, j'aurais envie d'utiliser un de ces deux double faces. Je les adore, je vous ai montré notamment que je les avais achetés à version scrap. Il y en a qui l'appellent au marchand anglais, au petit anglais. Voilà, j'en ai acheté de plusieurs tailles et je trouve ça vraiment pratique. Vous avez peut-être lu aussi qu'il colle super fort. Tout le monde en parle. Donc quand vous le collez, il faut vraiment être sûr de ce que vous allez faire. Mais moi, j'aime bien l'utiliser quand je fais des créations où je vais mettre des cadeaux parce que justement, souvent, on met de l'épaisseur et ça tire sur le papier que vous avez collé. Si vous le mettez avec de la colle qui ne tient pas bien, ben, ça ne va pas tenir. Donc franchement, j'aime beaucoup ça.
Mais on a dit 100% action, je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Alors, le 100% action, moi, voilà la colle que j'aime bien. Maintenant, franchement, si vous avez l'autre double face, utilisez-le. Mais voilà, si vous ne l'avez pas, il y a cette colle-là chez Action. C'est une des seules colles que j'achète chez Action. J'utilise tout le temps, vous le savez bien, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Et je triche un peu, mais vous pouvez le faire sortir par là, il n'y a pas de souci. Mais moi, je triche un peu, puisque j'achète des petits tubes comme ça. Ça se vend sur AliExpress, mais ça se vend aussi à plein d'autres endroits. Alors, j'achète, je fais une petite parenthèse, j'achète de moins en moins sur AliExpress, puisqu'on a déjà eu la discussion, contrefaçon et tout ça. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a quand même de temps en temps où je passe une petite commande pour des choses comme par exemple ma colle ici. Qu'est-ce que j'ai encore acheté dernièrement? Attendez que je réfléchisse. Oui, des petites décorations parfois, des choses pour, parfois pour les enfants. Donc voilà, il y a quand même de temps en temps des petites commandes AliExpress qui partent, mais de moins en moins. Donc voilà, ici il pratique... Oh, il y a quelque chose qui est tombé, je vais vous montrer ce qui est tombé. Donc voilà, oui, il y a quand même un peu de blabla, j'essaye de faire le blabla séparé. En fait, j'adore ces petits badges, je ne les mets pas sur mes créations, mais j'en mets tout autour de mon armoire qui est au-dessus de moi. Et je trouve ça super joli, donc voilà, comme ça vous savez ce qui est tombé. Donc ce petit tube, je l'aime bien, parce qu'il y a vraiment ce petit embout qui permet de vraiment ne pas mettre trop de colle. Parce que je vous explique, quand vous allez coller ici, alors c'est facile quand on met du double face, hein, on risque pas d'en mettre plus que ce qu'il y a sur le double face forcément. Mais si vous prenez un gros embout pour le mettre, vous pourriez rapidement en mettre partout. En plus, quand vous allez appuyer pour le coller, la colle va encore plus se disperser. Si ça colle trop un peu partout, vous n'aurez presque pas d'espace pour glisser des choses à l'intérieur. Donc voilà, je trouve que ce petit embout, vous voyez, il y a déjà une goutte qui sort. C'est vraiment très très pratique. Si ça se bouge, franchement, aucun souci. Moi, je prends une petite aiguille et ça s'enlève très facilement. Donc, je vais à nouveau travailler un petit peu sans vous pour coller donc ces différents éléments sur ma création. Alors, vous avez le choix, soit de vous décider de mettre du ton sur ton. Donc voilà, si vous voulez vraiment... Soit vous décidez de prendre le côté inversé. Moi, j'aime beaucoup ce papier-là parce que justement, je trouve que les deux couleurs vont vraiment très très bien ensemble. Dans ce type de création, quand vous allez choisir votre papier, c'est très important de vérifier que de l'autre côté, ça s'assortit ou en tout cas, c'est dans vos goûts. Alors la plupart du temps, oui, hein, puisque ce sont les mêmes collections, mais vérifiez quand même et réfléchissez bien. Je colle tout ça et je reviens. J'ai collé tout ce qui était nécessaire. Donc, on va faire un petit peu le point. Donc, j'ai mis... de la colle ici et sur ce côté-là, ce qui me permet maintenant d'avoir vraiment une enveloppe complètement fermée. Juste une petite remarque, lorsque vous mettrez une création, ne faites pas trop juste votre création. Parce que comme vous avez mis de la colle, ça a pris quand même de l'espace. Donc calculez quand même un petit peu plus court pour ce que vous voulez rentrer à l'intérieur de l'enveloppe. J'ai mis ici, alors rappelez-vous, hein, vous choisissez le côté du papier qui vous intéresse. J'ai mis de la colle sur ce côté-là. Et sur ce côté-là, afin de laisser une ouverture donc ici et pouvoir y glisser quelque chose. J'ai également mis une petite pochette ici, donc je pourrais également glisser quelque chose ici. Et j'ai mis aussi ici un coin. À vous de décider hein, où vous allez les placer, il y a vraiment plein de possibilités différentes. Maintenant, il faut décorer, parce que j'adore ce papier-là, mais c'est quand même un petit peu tristounet comme ceci, d'accord ? Alors, j'ai un bac de produits Action. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Voilà un bac de produits Action. Alors oui, il y en a certains, ils sont en plusieurs exemplaires parce que je les aimais vraiment beaucoup. Alors, mon bac de chez Action, c'est pas tout mon matériel de chez Action. C'est juste que depuis que je fais les vidéos 100% Action, je me suis dit, je vais mettre mes achats dans un bac séparé. Comme ça, quand je veux faire une création pour vous, eh bien, j'aurai de quoi m'inspirer et je ne devrais pas commencer à chercher au milieu de mon matériel Action et celui qui n'est pas Action. Je voudrais quand même encore refaire une parenthèse si jamais vous ne connaissez pas ma chaîne. Oui, j'achète des produits Action. Oui, j'ai envie de vous donner des idées, des inspirations pour les utiliser. Mais je ne pourrais pas scraper qu'avec des produits Action. Je suis allée à version scrap. J'ai fait environ, on va dire, 9 heures de trajet le même jour pour aller à version scrap. Pour voir toutes les merveilleuses choses qu'il y a dans plein de marques différentes. Alors je sais qu'il y en a qui n'utilisent que du Action, mais je pense qu'on est la plupart à justement aimer les produits Action tout en connaissant leurs limites et puis aussi parce qu'on craque, sur des produits qui ne sont pas Action. Oui, c'est plus cher, mais c'est tellement beau et puis il faut penser à toutes ces personnes qui ont passé plein de temps à imaginer ces tampons, ces die-cuts. Donc voilà, moi je pourrais pas faire qu'avec des produits Action. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos
action, mais également des vidéos avec d'autres produits. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais chipoter dans mon bac parce que là, j'ai vraiment aucune idée de la décoration que je vais faire. Je réfléchis à tout ça, je ne sais pas si je commencerai à décorer ou si je vais juste réfléchir à quel support je vais utiliser. Mais je reviens pour vous montrer ça très vite. Après avoir regardé dans mon bac, j'ai choisi deux produits. Le premier produit, c'est celui-ci. J'aime beaucoup, j'ai même craqué en deux exemplaires. Mais le problème de ce produit, c'est qu'il est quand même assez épais. Donc quand je fais des créations ou par exemple un album que je vais fermer, j'aime pas trop quand c'est épais. Donc pour la couverture, en tout cas de la création que j'ai fait aujourd'hui avec vous, je pense que c'est une bonne idée. Donc une des premières raisons, c'est ça, envie d'utiliser. C'est épais, mais pour une couverture, c'est pas mal. Et aussi parce que j'aimais bien le Hello qui est là. De nouveau, si je n'avais pas fait une création 100% action, j'aurais pris un die que j'ai, Hello, j'aurais fait une belle découpe et j'aurais mis un grand Hello sur la couverture. Parce que je trouve de mettre un sentiment sur le dessus de sa création, c'est quand même assez sympathique pour la personne qui le reçoit. Donc voilà, première inspiration, ça sera ces chipboard stickers. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, comme je vous ai dit, ça va être difficile, je pense, de les mettre à l'intérieur à cause de l'épaisseur. Donc, j'ai décidé de prendre un autre set de papier, le Papercraft Set. Et j'ai décidé d'utiliser celui-là. Je n'ai pas encore d'idée, hein, mais à partir du moment où j'ai choisi mes deux inspirations, je vais farfouiller et voir ce que je peux faire. En tout cas, il y a quelque chose que je pense qui est important de vous donner comme conseil, c'est que faut pas se lancer trop vite, faut réfléchir. Donc par exemple dans ce cas-ci, quand c'est un die cut, c'est facile. Un die cut, ben, il est justement pas autocollant, il n'est pas sur une planche d'autocollant. Et donc vous pouvez facilement le prendre, le déposer sur votre création et réfléchir si ça vous convient. Quand c'est comme ceci, moi ce que je ferais, c'est que je découperais autour en fait ici. Pour ne pas justement coller trop vite sur la création, je dépose à l'endroit que je veux, je fais toute ma mise en page et puis si vraiment ça me convient, je colle. Donc ne collez pas trop vite et quand vous avez comme ça une planche de stickers, découpez-les séparément pour les positionner et réfléchir un petit peu si ça vous convient. Parce que quand c'est collé, c'est difficile d'enlever après. Non, je ne suis pas encore là pour le résultat final, je n'ai pas encore terminé. Par contre, j'ai souvent une question qui vient, qui est comment tu fais pour choisir, quand il y a beaucoup de choix de die cut, ce que tu vas utiliser sur ta création. Donc c'est vrai que quand on voit d'énormes planches comme ceci, parfois c'est un peu difficile de savoir ce qu'on va utiliser. Alors, je ne sais pas vous faire rentrer dans ma tête, mais je vais quand même essayer de vous expliquer un peu le processus qui se passe. C'est que d'abord, j'ai choisi, on va dire, mon coup de cœur, mon thème. J'aime beaucoup cette petite étiquette avec ce petit oiseau. Et dans le même thème, j'aime beaucoup également ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après? Ben après, j'ai parcouru justement les étiquettes et je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut aller avec? Alors là, je vous parle de la décoration intérieure parce que la décoration extérieure, je vais plutôt utiliser les chipboard ici, stickers en 3D. Mais pour l'intérieur, voilà comment j'ai fait. Donc, j'ai choisi ceci et puis je me suis demandé sur toutes les planches de die cut que j'ai, qu'est-ce qui pourrait aller avec et j'ai tout détaché. Donc regardez, j'ai pris plein de choses, c'est pas pour ça que je vais tout utiliser, mais en tout cas ce sont des choses qui pouvaient aller avec, qui restaient dans le thème. Vous voyez par exemple le petit oiseau, mais j'ai réussi à trouver le petit oiseau ici. La grosse fleur, j'ai pris la grosse fleur. Puis vous avez, enfin voilà, il y a plein de petits détails, mais j'ai essayé de retrouver tous les die cuts qui pourraient aller ensemble. Je les ai détachés parce que si je les vois comme ça attachés sur ma planche, en fait ça ne m'inspire pas, je ne vois pas bien clair. Alors vous voyez, j'ai laissé des choses dessus, un attrape-rêve pour moi ça n'avait rien à faire là, donc ici ben, c'est plutôt cactus, j'ai laissé aussi. Donc voilà, moi j'ai vraiment fait ma sélection par rapport à moi, mais comme je vous ai dit, peut-être que tout ne sera pas utilisé, mais en tout cas je verrai plus clair, je vais pouvoir les bouger sur ma création, je vais pouvoir les déposer, je vais pouvoir réfléchir, est-ce que ça va bien là ou pas. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai pris quelques mots, donc des mots pour exprimer des choses également sur ma création. J'en ai découpé plusieurs, de nouveau peut-être qu'ils ne seront pas tous utilisés, mais au moins ils sont déjà prêts à être testés, on va dire. Je voulais quand même encore vous donner un petit conseil avant de décorer, c'est que quand vous détachez sur les planches action, les die cuts, vous avez souvent quand même, je vais essayer que vous voyez, des petits bouts blancs qui restent. N'oubliez pas de les enlever. Hein. Il suffit de prendre une toute petite paire de ciseaux. Alors là, je ne sais pas si je suis... Hop, je ne vois pas bien. Voilà, et on enlève le petit bout. C'est quand même beaucoup plus joli.
Eh bien voilà, j'ai choisi tous mes éléments, il n'y a plus qu'à les placer. Voici le résultat final. Je vous montre. Alors, il y a encore une petite chose que je voudrais faire avec vous, mais après. Donc, j'ai mis des chipboards quand même assez épais là au-dessus. J'ai collé une petite fleur. J'ai fait une composition de fleurs et de feuilles et j'ai mis le Hello. Et j'ai rajouté ici en bas pour faire un rappel par rapport aux petites bannières qui sont tout au-dessus. Je mettrai des photos de toute façon à la fin. Ensuite, j'ai décidé de coller aussi des éléments, vous voyez, ici au-dessus des pochettes. Donc, il y a des choses qui vont se glisser, mais justement, le papillon comme ça passera au-dessus. Ce qui est très important, c'est que quand vous collez, mettez une feuille en dessous pour être sûr de ne pas coller sur la page en bas. Sinon, il n'y a plus l'ouverture. XOXO, les fleurs. Et alors ici, ce que je voulais faire, c'était justement de nouveau le principe de coller par-dessus la pochette. Donc quand il y a des feuilles ou des éléments qui viendront se mettre en dessous, ça va passer au-dessus. Là, je voulais que ça dépasse. Ici, c'est simplement glissé pour vous montrer le genre de petites choses qu'on peut mettre en cadeau. Et vous voyez que la petite fleur aussi dépasse. On ouvre. J'ai rajouté le petit oiseau. Là, j'ai décidé de ne rien mettre pour quand même pas surcharger. Et puis, for you. Et de nouveau, un petit rappel de cette fleur. Donc, voilà le résultat. Maintenant, on peut y glisser vraiment plein de petites surprises, de créations. Alors, je voulais vous faire deux petites remarques supplémentaires. D'abord, c'est quand même déjà assez épais. Donc, moi, ce que je vous propose, j'ai hésité à le mettre en dessous des fleurs et de coller un ruban partout et de faire un petit nœud ici. Je ne l'ai pas fait, mais n'hésitez pas à mettre un ruban. Vous pouvez tout à fait aussi mettre un ruban par-dessus. Comme ça, ça permettra de bien tenir lorsque vous aurez mis plein de surprises à l'intérieur. Et puis, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que j'aimerais bien mettre une perle de pluie ici au centre et également ici. Le problème, c'est que c'est une vidéo 100% Action et que ça ne fait pas partie de chez Action. J'ai acheté ça chez Rayer, enfin c'est de la marque Rayer. Moi, je l'ai acheté chez Schlepper, mais on trouve ça sur Internet. En tout cas, ça marche très très bien avec la colle de chez Action. Et ce qui est aussi très important, c'est que quand vous collez, vous voyez à travers un petit peu la colle, mais quand ça sèche, ça disparaît et ça fait vraiment un effet transparent. Donc voilà, la création 100% Action, elle s'arrête là. Mais si vous voulez faire comme moi et rajouter une demi-perle de pluie sur chaque fleur, n'hésitez pas. Je vais vous montrer tout de suite le résultat final. J'ai collé une perle de pluie et l'autre, je l'ai simplement déposée pour voir l'effet que ça va donner quand ça aura séché. Pour l'instant, celle-ci, vous voyez encore la colle à travers de chez Action, mais cette colle va disparaître lorsque cela aura complètement séché. Par contre, ici, on voit le centre de la fleur et ça donne quand même un chouette effet avec le relief, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo 100% Action ou presque, si jamais vous faites l'alternative de mettre une perle de pluie, une demi-perle si vous voulez. Moi j'ai bien aimé faire cette vidéo, au départ je ne savais pas trop vers quoi j'allais aller, je ne savais pas quelle décoration j'allais choisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un commentaire, ou les deux si vous voulez. Ça fait toujours plaisir et c'est ce qui me motive à continuer ce type de vidéo et la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait également très très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!